Alors, je vais vous montrer pourquoi est-ce qu'on doit changer ce flexible de frein. Pourquoi il est indispensable de le faire. Si nous observons ici, il est entièrement craquelé. Le caoutchouc est devenu dur, ses propriétés mécaniques ne sont plus les bonnes. Il va avoir tendance à se dilater, il va donc absorber une partie de la pression. La voiture va avoir un déséquilibrage au freinage. On dit qu'elle tire au freinage. C'est dangereux.